Bonjour, bonjour les amis, bonjour. Bonjour à tous ceux qui me suivent, hein, bonjour. Aujourd'hui, je suis très remonté. Oui, je préfère vous le dire, je suis vraiment très, très, très remonté. Donc, le direct d'aujourd'hui, c'est d'abord pour faire un grand coup de gueule par rapport à l'intervention de El Chino qui s'est fait hier. Bon, nous, les combattants, il y a des choses qu'il faut qu'on se le dise. Parce que franchement, on en a un peu marre, on en a marre de ces gens qui nous prennent vraiment pour des imbéciles. Oh oui, donc invitez les gens, partagez la vidéo, partagez la vidéo, parce que partagez le direct et envoyez des cœurs. Ouais, parce qu'ils peuvent signaler la vidéo pour que ça coupe. Donc on en a vraiment marre. Il faut que les gens le sachent aujourd'hui. Si on est resté calme depuis tout ce temps, à les observer, jouer un peu le théâtre et tout, à un certain moment, il faut qu'on le dise. Que nous en avons marre parce que franchement, on a l'impression qu'ils se disent que, ils sont maîtres des choses. Alors, mes chers amis, partagez la vidéo, partagez. Donc, moi, mais entre-temps, j'essaie de partager à tous les groupes pour que nous soyons nombreux. Donc, partagez la vidéo pour que nous soyons nombreux à suivre. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment. Donc, bonsoir à tous les combattants. Donc, bonsoir encore une fois de plus. Et tous ceux qui peuvent envoyer des invitations, n'hésitez pas, hein, parce qu'aujourd'hui, la vidéo, on doit vraiment parler des choses qui minent l'action en ce moment. Donc, on doit parler des choses qui nuisent à la révolution. Parce que franchement, on en a marre, on en a marre, on en a vraiment marre. Il faut que les gens puissent savoir qu'on en a marre de ces gens qui viennent dans le combat. Soit parce qu'ils arrivent en tant que des aventuriers, soit parce que, ils ne savent même pas réellement ce que c'est que la révolution. Parce que franchement, il faut qu'on explique encore aux gens. Il faut vraiment qu'on explique. Donc, partagez la vidéo, partagez pour que nous soyons nombreux. Donc, partagez la vidéo, il faut qu'on soit nombreux parce que la révélation que j'ai faite aujourd'hui, c'est vraiment un grand coup de gueule. Moi, je n'ai pas l'habitude, vous me connaissez. Donc, je n'ai pas l'habitude de parler des gens et tout, de parler des groupes. Mais franchement, à un certain moment, il faudrait qu'on arrête de se taire. Parce que nous, combattants, nous qui sommes sur le terrain, nous qui nous battons pour que la situation de notre pays change, nous ne sommes pas là par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, envoyez des cœurs, partagez la vidéo pour que nous soyons nombreux. Donc, El Chenou a fait un direct hier sur lequel il a parlé des choses. Donc, je veux qu'on revienne là-dessus. Donc, je veux que les gens comprennent ce que c'est que la révolution, qui sont les combattants, qu'est-ce qu'on cherche en fait dans ce combat, quel est le but, quel est l'objectif, pourquoi est-ce qu'on s'engage, pourquoi est-ce qu'on a décidé, oui, personnellement, pourquoi est-ce qu'on a décidé de prendre ce train du changement, et à quel moment on a décidé de prendre, quel est l'impact que cela joue dans notre vie, pour qu'un individu, soi-disant le général des généraux, je ne sais même pas quoi, puissent se mettre en direct et disent n'importe quoi. Donc, partagez la vidéo pour qu'on essaye de comprendre. Donc, partagez. Donc, dites à Monsieur El Chenou de se connecter. Dites-lui de se connecter. Car c'est un combattant qui est en ligne. C'est un combattant qui a décidé de dire des choses. C'est un combattant qui est en colère. En colère par rapport à la situation de la résistance en ce moment. Oui, nous sommes en colère. Donc, si j'ai décidé de faire ce direct aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont appelé. Donc, à un certain moment, ça fait mal à la tête. Donc, tous ceux qui ont suivi le direct de El Chenouillet, ils m'ont appelé. La majorité des personnes qui me connaissent, qui ont mon numéro ou qui peuvent m'envoyer des messages. Donc, j'ai eu plusieurs messages concernant le cas de El Chenou. C'est pour ça que je veux qu'on en parle. Je veux vous dire certaines choses que vous-même, peut-être vous le savez, mais vous n'avez pas le courage de le dire. Donc, je veux que nous soyons connectés et que nous puissions ensemble comprendre cette révélation qui se passe aujourd'hui au cœur de la résistance. Ce qui nuit à la résistance. Donc, ce qui empêche les gens de se soulever, que ce soit même au Cameroun. Dans le problème qui fait en sorte que même la diaspora reste un peu calme, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on brise les tabous et qu'on avance face à l'objectif que nous nous sommes fixé, libérer le peuple camerounais. Donc, j'ai le Congo, ça, on en a marre. On en a marre du Congo, ça, on en a marre des gens qui se mettent devant. Nous les soutenons, nous les supportons, nous les encadrons, nous leur donnons des conseils, mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas les conseils qu'on leur donne. Donc, ça fait des mois
qu'on essaie de discuter, qu'on essaie de parler. Ça fait plusieurs semaines que c'est le cas de El Chenou, le cas de Serge Anango, le cas de Stella, qui est en train de freiner la révolution. Oui, ça fait plusieurs semaines. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que les gens puissent savoir ce qui se passe derrière cette mascarade de personnes qui viennent vous vendre l'idée de la libération. Pourtant, ils pensent à autre chose. Donc, à un certain moment, il faudrait qu'on décrypte nous-mêmes qui sont les vrais combattants et quelles sont les actions qui vont amener pour le peuple camerounais, quelles sont les actions qui vont amener pour la diaspora, quelles sont les actions qui vont faire en sorte que le Cameroun se lève, que les Camerounais au Cameroun se lèvent. Donc, c'est ça, c'est de ça il est question. Il n'est pas question aujourd'hui qu'on nous parle de leadership. Il n'est pas question aujourd'hui que dans ce combat, que nous tous, nous avons mis nos vies en danger et nous continuons à mettre nos vies en danger. Que certaines personnes se disent maître de la révolution ou général de la révolution. Non, il n'est pas question. Il n'est pas question actuellement. Donc actuellement, le combat que nous sommes dedans, c'est le peuple camerounais qui est l'enjeu. C'est le système dictatorial de Biya que nous allons détruire. C'est le système dictatorial de Biya que nous allons renverser. Alors, donc, c'est pour cela que je demande que vous partagez la vidéo, vous envoyez des cœurs et que vous invitez El Chenou lui-même à suivre cette vidéo. Oui, il faut qu'il suive ce direct. Parce que le direct, je vais parler de lui-même, de son comportement, de son live qu'il a fait hier et du ressenti des Camerounais, d'une majorité des combattants, surtout des combattants. Parce qu'on n'a pas besoin des aventuriers qui vont venir regarder le live seulement parce qu'ils vont rigoler. Ceux qui sont connectés sur des lives, je les demande, si c'est des combattants, de suivre des lives du début jusqu'à la fin. Car tout parti dans un live est très important pour la suite du combat. Oui, c'est très, très important pour la suite du combat. Il ne faudrait pas vous connecter parce que vous êtes des aventuriers et suivre un mot. Peut-être que vous êtes soutien de El Chenou. Quand je veux parler de El Chenou, vous allez zapper ou envoyer des messages ou envoyer des têtes de mort. Non, cela ne sert absolument à rien. Si vous êtes courageux, je demande aux courageux de suivre ce live du début jusqu'à la fin. Parce que beaucoup de temps et beaucoup de réflexion pour que je me décide enfin de vous dire qu'est-ce qui se passe dans cette révolution. Pourquoi les Camerounais de la diaspora mettent leur vie en danger et que certaines personnes se disent qu'ils sont maîtres de la révolution. Toute personne qui s'est engagée depuis le 22 octobre, même avant, savait des risques qu'il encourt et a pris ces risques à son propre compte et a décidé de se mettre sur ce chemin. Soit par rapport à sa situation personnelle, soit parce qu'il a une conscience que le peuple camerounais souffre. C'est d'abord de cela qu'il s'agit. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est ni personne, ce n'est pas El Chenou, ce n'est pas Calibri Calibro, ce n'est pas le général Wanto qui met des gens dans la révolution. Les gens viennent dans la révolution, les gens assistent aux marches, tout simplement par rapport à leur propre situation personnelle, la situation de leurs proches au Cameroun, la situation de leur quartier et la situation générale du Cameroun. Certaines personnes se mettent dans la marge par rapport à la crise anglophone, la guerre qui se passe au Nozo, au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, que des gens ne restent pas chez eux et qu'ils se disent qu'ils sont maîtres des autres personnes qui mettent leur vie en danger. Si vous allez au Cameroun et qu'on vous arrête, ce n'est pas El Chenou qui viendra vous libérer. Ce n'est pas El Chenou qui va vous libérer. Donc, qu'il arrête des bêtises, a dit qu'il est le général des généraux. Ça, on n'en a rien à foutre. On n'en a absolument rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est des actions. C'est des actions qu'on veut. Le peuple camerounais veut la libération. Ils veulent la liberté. Ils ne veulent pas comprendre parler d'El Chenou qui va prendre un direct de 3-4 heures de temps pour nous raconter qu'il est le général des généraux, que le peuple l'a donné le mandat. Depuis quand on a donné le mandat pour être un général? Les généraux sont dans l'armée. Si les militaires qui est dans l'armée et qui demandent à être général, dans la révolution, on n'a pas besoin de général. Dans la révolution, on est des combattants. On a besoin des combattants. Tous ceux qui s'unissent ensemble pour la même cause, c'est des combattants. On peut avoir un leader qui est le combattant en chef, mais on peut avoir un leader, c'est tout à fait normal. Mais il faut qu'on arrête de discuter les titres de généraux et tout. Aujourd'hui, toujours à cause de ce El Chenou, le groupe de la BAS est en train de se diviser. On ne comprend pas sa position. À partir du moment où la BAS essaye, ils essayent. Je ne suis pas de la BAS, hein, mais je suis un combattant. Je suis un combattant qui est fier de voir que les groupes sont solides et capables de nous suivre, de nous accompagner dans les actions que nous allons mener. Ou si nous aussi, nous pouvons faire confiance à un groupe pour les accompagner dans les actions qu'ils vont mener. C'est ça mon problème. C'est ça mon objectif. Parce que le problème principal de tous les Camerounais, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui est le problème. C'est le Cameroun et c'est le régime de Biya. C'est le régime de Biya qui est notre problème à tous. Mais c'est pour cela que je demande toujours, et je dis encore à El Chenou, je le dis en face, je le dis, il faut arrêter.
Il faut arrêter cette diversion. Il faut arrêter cette diversion. Parce qu'à un certain moment, on a l'impression que tu n'es pas dans ce combat pour te battre pour la libération du Cameroun, mais tu es dans ce combat pour essayer de te faire un nom. Ce n'est pas ici que tu dois te faire un nom. Ce n'est pas ici. Si tu veux être une star, va dans les je sais pas moi, dans les shootings photos, je sais pas quoi, et puis tu deviens une star là-bas. Nous aussi, on va t'apprécier. Mais si tu es un combattant n'a pas besoin d'insulter les autres combattants. Ça ne se fait pas. Les combattants doivent être solidaires les uns les autres, comme je l'ai toujours été depuis le début. Depuis le début, quel qu'en soit le problème qui se passe à la base, j'essaie d'être solidaire et je fais tout pour être solidaire avec les combattants de la base parce que nous avons un même objectif. Nous avons un même objectif qui est de libérer le peuple camerounais de la dictature de M. Biya. Et quand je me suis engagé dans ce combat, je me suis engagé bien avant les élections présidentielles. Donc, quand Echenu me parle que ça fait 6 mois qu'il est dans le combat, sache qu'il y a des combattants comme moi et des milliers d'autres qui sont même dans l'ombre, qui se sont engagés bien avant toi. Ça fait 4 ans que je suis interdit, j'ai l'interdiction d'entrer sur le territoire camerounais. Ça fait 4 ans. Je ne pars pas au Cameroun. Mais j'ai pris ce risque en m'engageant dans ce combat pour le changement de notre pays. L'élection présidentielle n'était même pas encore programmée quand moi j'appelais les Camerounais à se lever pour dire non à la candidature de Biya. Si Biya veut être candidat, nous devons nous lever pour dire non. Non à la candidature de Biya. Ça fait 4 ans que j'appelle cela. Vous pouvez encore aller dans mon compte et fouiller. Vous pouvez fouiller les vidéos, vous allez voir. J'ai des vidéos qui datent même de 2017 que j'appelais déjà les Camerounais d'être prêts et de dire non si Biya veut se présenter pour l'élection présidentielle. Alors, à un certain moment, que certaines personnes qui arrivent par aventure dans le combat nous prennent pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Même si nous, on n'a pas été à l'école, nous ne sommes pas des idiots. Moi, personnellement, je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un idiot. Je suis sorti du Cameroun, ça fait aujourd'hui 20 ans que je suis à l'extérieur. Donc, ça fait 20 ans que je me bats pour aider ma famille, pour aider mes amis, pour aider mes voisins. Ça fait 20 ans. Et à un certain moment, j'en ai marre. J'en ai eu marre. Ça fait 20 ans. Donc, quand je suis entré en France, j'étais tout jeune. Je n'avais pas la barbe blanche. Hein. J'étais tout jeune. J'avais les cheveux. Alors aujourd'hui, on prend de l'âge, mais on comprend qu'à un certain moment, le peuple continue à souffrir. Donc que ces gens qui viennent dans ce combat pour nous nuire, que ces gens se mettent à côté, parce qu'à la fin, ils vont nous trouver sur le chemin. Nous allons les mettre sur le même piédestal que M. Biya que nous voulons chasser. Oui, c'est de ça qu'il faut que les gens sachent. Il faut savoir cela. Qu'il y a des Camerounais comme moi qui mettent leur vie en danger, leur famille en danger, ça fait des années pour se battre. Ils sont nombreux, que ce soit Patrick Gagnant, que ce soit Patrick Nouma, que ce soit le général Wanto, que ce soit tout. Ils sont nombreux, que ce soit le combattant Kenta, que ce soit Brice Nietzsche. Ils sont nombreux. Et personne n'a jamais demandé le grade de général. Ça ne leur servait à rien du tout. Ce qui les importait, c'est que le Cameroun change. C'était tout simplement que le Cameroun change. Ils n'étaient pas là. Ils ne sont pas là jusqu'à aujourd'hui pour demander les titres de général, généraux, je ne sais pas quoi. Ils sont là, ils font des actions. Ils essayent de sensibiliser le peuple camerounais. Ils essayent, ils arrivent grâce à la nouvelle génération que nous sommes. Nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes là pour accompagner tous ceux et celles qui s'engagent dans la voie de la révolution du Cameroun et du changement du Cameroun. C'est notre rôle. Tout Camerounais, jeune Camerounais, conscient de la souffrance qui se passe chez nous au Cameroun, est appelé à rejoindre le mouvement de la résistance. Quel qu'en soit le nom, il faut rejoindre quel qu'en soit le mouvement. Ne choisissez pas le mouvement. Tout mouvement qui a pour but de renverser le pouvoir de Biya, c'est un mouvement qu'il faut suivre. Il faut suivre tous les mouvements parce que c'est ça l'objectif final. Notre objectif à tous, c'est d'arriver à renverser le pouvoir de M. Biya. C'est ça l'objectif. Alors que des gens comme El Chenou qui viennent dans la révolution, il a dit hier dans son live que ça fait 6 mois qu'il est dans la révolution. Mais je vais lui dire une chose. Et je dis à tous les Camerounais, il faut que vous le sachiez, parce qu'il prend l'assaut de l'ambassade de Berlin comme c'était un espoir. Mais ce n'est pas un espoir, mon ami, ce n'est pas un espoir. Ce n'est pas un espoir. Tu n'avais aucun programme d'aller à l'ambassade de Berlin. Tu n'avais aucun programme. Hein? Il faut le dire, tu n'avais aucun programme. C'est après l'assaut de l'ambassade de Paris, ici en France, que Serge Anango t'a appelé, t'a demandé, il t'a même supplié d'aller à Berlin, de prendre l'assaut de l'ambassade de Berlin pour que ça puisse faire un clash ensemble, pour que la communauté internationale puisse se lever, que pour le Cameroun. Ce n'est pas toi qui as pris cette décision, mais tu ne l'as jamais dit à personne. Tu ne l'as jamais dit à personne. C'est Serge Anango qui t'a appelé. C'est pour ça que tu as dit que tu as fait 8 heures de route pour arriver à Berlin. Effectivement, ce n'était pas prévu. Si c'était prévu, tu allais être à Berlin le même jour. Tu ne t'attendais même pas. Quand Calibri Calibro et ces gens ont décidé de prendre l'assaut de l'ambassade de France, tu n'étais même pas au courant.
Tu n'étais même pas au courant. Et personne n'était au courant. Tu n'étais pas au courant. Oui, tu n'étais pas au courant lors de la marche à la porte de Clignancourt. Tu n'étais pas au courant qu'il devait prendre l'ambassade. Il faut arrêter des choses. Il faut arrêter de dire du n'importe quoi. Il faut arrêter de se valoriser et valoriser les gens qui t'accompagnent. C'est très important. Il faut apprendre à être reconnaissant face à ceux qui te soutiennent. Il faut apprendre à être reconnaissant. À un certain moment, on pousse un grand cri de gueule parce que nous en avons marre. On voit ton cinéma, ça fait depuis. On voit ton cinéma, ça fait depuis, mais on ne dit rien. On se dit que tu dois être un homme sage. Tu dois prendre du recul. Mais on voit encore, hier, tu viens devant les Camerounais, tu les racontes du n'importe quoi. Je suis le général des généraux. Mais tu es le général de qui? Tu es le général de qui? Tu sais manipuler une arme, tu es le général de qui? Ce que nous demandons, nous sommes en train de faire une sensibilisation pour que le peuple camerounais se lève. C'est le peuple qui est notre arme. Toi-même, tu le sais, ce n'est pas le fusil. C'est le peuple camerounais, l'arme de la révolution. Ce n'est pas les armes. Ce n'est pas le fusil, ce n'est pas les pistolets, ce n'est pas les Kalachnikov. Ça, c'est faux. Il ne faut pas vendre les idées aux gens que toi-même, tu ne peux même pas, tu sais même pas manipuler une arme. Tu vends des idées à la con. Ne vendez pas les idées à la con. Ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans, que les Anglophones ont pris les armes. On voit là où c'est en train de partir. Les soldats de Biya sont des soldats qui sont préparés pour exterminer les Camerounais, vous le savez. N'envoyez pas les enfants, les gens allaient mourir. On demande aux gens de se lever parce que c'est pacifiquement qu'on va réussir à renverser le pouvoir de Biya. C'est pacifiquement. Si on n'a pas un général, un vrai général de l'armée camerounaise qui s'aligne avec nous, même pas un seul, qui soit au moins 5, 6, 7, 8, 9, 10, qu'à un certain moment, ils font comme au Zimbabwe, à ce moment-là, on ne peut pas parler des armes. Nous parlons de la révolution pacifique. C'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui. Il faut sensibiliser les Camerounais. Il ne faut pas que les Camerounais se perdent à un certain moment. Parce que vous nous amenez sur n'importe quel chemin. Et à ce moment-là, on en a marre. On en a marre. On en a marre. Parce que toi-même, tu ne peux même pas prendre une arme et te mettre devant un militaire. Le militaire, lui, il a une formation pour tirer. Il va te tuer, mais avant que tu ne puisses même ne serait-ce que lever le fusil. Mais ne trompez pas les enfants des gens. Nous, on demande aux Camerounais de se lever comme le peuple algérien l'a fait. Levez-vous comme ils ont fait les Burkinabés. Ils se sont levés face à l'armée. L'armée ne pouvait pas agir. Effectivement, l'arme que nous avons, nous les révolutionnaires, l'arme que nous avons, c'est le peuple. Alors aujourd'hui, nous sensibilisons le peuple. Nous voulons que le peuple comprenne qu'eux seuls, ils sont la bombe atomique, la bombe à retardement. C'est le peuple camerounais, c'est la majorité silencieuse. Oui, c'est eux qui peuvent, c'est eux. C'est eux qui peuvent. Ils sont les seuls à être capables de se lever pour dire non à la dictature de M. Biya. Nous, on essaye par tous les moyens. Nous, on a sensibilisé les Camerounais. On a sensibilisé la communauté internationale. Et on continue à le faire. On continue à les sensibiliser. Nous n'allons pas nous arrêter. Et tu ne pourras pas donner un ordre à un combattant. Tu ne pourras pas le faire. Parce que moi-même, je vais manifester. Je vais appeler à manifester tous les samedis. Mais tu te prends pour qui? Vous dites que tu es le général des généraux ou des généraux. Tu demandes que les manifestations soient une fois par mois. Toi qui? C'est toi qui as la souffrance de tous les Camerounais. Et en plus, tu dis même que tu vis bien. Tu vis bien quand les Camerounais souffrent. Moi, je souffre. Tu m'aides avec quoi? Je vais manifester par rapport à ma propre souffrance. Je te le dis encore, je manifeste par rapport à ma propre souffrance. Oui, et c'est ce que je dis à tous les Camerounais. Sortez de chez vous par rapport à votre propre souffrance. Ne sortez pas par rapport à quelqu'un d'autre. Sortez pour changer votre train de vie, pour changer votre vie, pour changer la vie de vos enfants, changer la vie de vos voisins, de vos familles, de votre village, de votre ville. Sortez pour changer le Cameroun. Sortez pour changer le Cameroun. C'est ce que je dis tous les jours dans mes directs. Ne sortez pas pour moi, ne sortez pas pour moi. Sortez pour vous-même, parce que moi-même, je sors pour moi. Et c'est un ensemble d'individus qui va permettre qu'on soit un groupe et qu'on soit un groupe fort. Ce n'est pas une seule personne. Personne ne paye le loyer de l'autre. On a des gens qui ont des difficultés pour payer le loyer à la fin du mois. On a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Mais on les encourage. On les motive parce que tout cela peut changer. Tout cela doit changer. Et nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Mais ce n'est pas des gens comme FNU qui viendront diviser la révolution. Lui, c'est quoi? Lui, c'est qui? Il ne pourra pas diviser la révolution. Je lui dis encore, il ne peut pas diviser la révolution. J'appelle la brigade anti-Sardina de l'Allemagne. Mettez-vous ensemble avec la brigade anti-Sardina de France. Mettez FNU de côté. Il peut faire ses actions individuelles. Nous allons l'accompagner dans ses actions. S'il nous prouve qu'il est un combattant et que l'objectif, c'est de renverser le pouvoir de M. Biya, nous allons l'accompagner. Mais laissez-le de côté parce qu'il a un orgueil surdimensionné. Vous l'avez vu vous-même. Il est accusé de mœurs. Il n'arrive même pas à expliquer. Bien sûr, nous ne sommes pas la justice. Mais si ce problème est venu sur la toile,
Il faudrait quand même que les gens qui le suivent puissent avoir des explications. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. Il dit qu'il est le général. Il est en train de gérer, et il a géré le congrès, je ne sais pas quoi, de Berlin. Mais ce n'est que normal qu'il rende des comptes. Qu'il faut qu'il rende des comptes. Même quand un bilan est négatif, on fait un bilan et on publie le bilan. On explique même aux employés comment s'est passée l'entreprise au cours de l'année. Moi, je suis un chef d'entreprise. Donc, je sais comment ça se passe. Ce n'est pas parce qu'il nous dit que ça a donné 6 000 euros, ce qu'ils ont dépensé, et que lui, il doit encore 2 500 euros. Il ne peut pas les expliquer que c'est la sorcellerie. Mais quelle sorcellerie? Ce n'est pas la sorcellerie. Même si un bilan est négatif, monsieur Chenou, tu dois expliquer à ceux qui te suivent. Tu dois expliquer à ceux qui ont cotisé. Si c'est une entreprise, tu dois expliquer aux actionnaires et aux salariés et donner des raisons pourquoi c'est négatif. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que les choses se passent. Nous ne pouvons pas être là pour dire qu'on va chasser un dictateur et avoir encore un dictateur qui va dire qu'il est chef de la révolution. Et il ose même dire qu'excusez-moi si je suis dictateur, mais c'est même n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, monsieur Chenou, c'est du n'importe quoi. Tu ne peux pas demander aux gens qui sont debout pour chasser un dictateur de t'excuser que tu sois dictateur. Rien que le mot dictateur dans la tête des Camerounais déjà sonne très mal. Le mot d'entendre dictature, ça fait déjà mal. Les gens n'arrivent pas à dormir. Et toi-même, tu viens répéter ce mot-là et dis qu'on t'excuse. Qui va t'excuser? Demande à ces femmes-là qui te soutiennent, j'en sais rien, de t'excuser. Mais les hommes comme moi, les hommes qui ont les couilles, on ne t'excuse pas. Même si la brigade anti-Sadila peut-être ne te recadre pas, moi je vais te recadrer, je te le dis encore, je vais te recadrer. Je vais te recadrer. Et tu vas être juste dans le combat, pour le combat. Si cela t'intéresse, on ne t'oblige pas. Tu n'es pas obligé. Tu n'as aucun mandat de personne. Personne ne t'a mandaté. Personne, je le dis encore. Et comme on a mandaté personne, on a mandaté personne pour nous représenter. Alors, si vous prenez la tête que vous êtes des leaders, nous vous soutenons. Alors, pas, ayez un minimum de respect pour ceux qui vous soutiennent. Ayez un minimum de respect. Si votre vie se trouve sur la toile, alors expliquez aux gens, parce que les gens sont informés de votre vie, expliquez-les. Ne les prenez pas pour les idiots. Expliquez-les pourquoi votre vie se trouve sur la toile. Expliquez-les, parce que c'est vous-même qui avez mis cela sur la toile. Alors, les gens sont. On va dire que les Camerounais aiment le Congo, ça, mais c'est parce qu'on amène le Congo, ça, que les Camerounais adhèrent. Si on n'amène pas le Congo, ça, les Camerounais vont rester dans le combat. Vous avez distrait les Camerounais, ça fait depuis plus de 3 semaines aujourd'hui. Et demain, pour clôturer tout, tu viens nous dire que tu es le général des généraux. Tu es au-dessus de tout le monde. Le peuple camerounais t'a donné mandat. Mais quel mandat? Tu as été élu où? Tu es le frère de Bia, qui dit qu'il est élu, pourtant il n'est pas élu. Tu es son frère. Dis-moi si toi et Bia, vous êtes pareil. Mais nous, on ne veut pas ça, on ne veut plus de Bia. Si on ne veut plus de bien, c'est qu'on ne veut plus des hommes comme bien. Si tu es comme bien, nous, on n'en veut pas. Tu passes ta route, tu nous laisses le Cameroun et le Camerounais se lever. Ce n'est pas toi qui as demandé aux gens de se lever. Les gens se lèvent, je le répète encore une fois de plus. Les gens se lèvent par rapport à leur propre situation. Les gens ne se lèvent pas pour toi. On ne se lève pas pour toi. Si peut-être même dans ta tête, tu as imaginé un seul instant qu'on se levait pour toi. Mais sache que c'est faux. Toi, tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un Camerounais comme tout le monde. Tu n'es qu'un Camerounais comme tout le monde. Tu n'es qu'une victime de la dictature de M. Biya, comme nous tous. C'est pour ça qu'on te soutient. On te soutient parce que nous tous, nous nous soutenons les uns les autres. Quel qu'en soit le groupe où quelqu'un sort, on se soutient les uns les autres. On ne laisse pas tomber un combattant. Comme je ne laisse pas tomber El Chenou, je ne le laisse pas tomber, mais je demande qu'il faut qu'il se recadre dans l'objectif, qui est l'objectif du renversement du pouvoir de M. Biya, de renverser Biya au pouvoir. Je ne le laisse pas tomber. La révolution ne laissera tomber personne sur le bout du chemin. Personne, je tiens encore à Saint-Jean d'Angou, personne ne sera oublié. Personne ne sera oublié. Je parle aussi à Ben Baragnia. Personne ne sera oublié. Je parle à Kamoua la Panthère. Je parle au commissaire Zogo. Vous tous, vous êtes des combattants, même si à un certain moment, vous avez peut-être fait des erreurs. Ce n'est que normal. La révolution dans laquelle nous sommes, c'est une révolution qui est née d'une volonté populaire. Ça a été brusque. Ça a été brusque. Personne ne pouvait imaginer que le soir du 22 octobre, les Camerounais devaient être debout. Personne ne pouvait imaginer. Aucun expert au monde ne pouvait prédire cela. Je dis, mais aucun expert au monde ne pouvait dire qu'au soir du 22 octobre, les Camerounais allaient être debout. Personne ne pouvait le prédire. Alors donc, je suis conscient que c'est difficile. C'est difficile pour certaines personnes de gérer la notoriété. Parce qu'on a mis certaines personnes comme général et tout. Donc, ce qui fait que c'est une autorité, ils ont une responsabilité. C'est difficile parce qu'ils ne s'attendaient même pas. Ils ne s'attendaient pas.
C'est ça qui cause le problème à la base. Parce que tous ceux qui sont mis dans l'aventure, au départ, c'était l'aventure d'une journée, de 2 jours, de 3 jours. Mais aujourd'hui, ils ont compris et ils ont vu comment le peuple se levait. Et c'est la même chose pour l'opposition camerounaise. Si l'opposition camerounaise, dans son ensemble, Cabral Libii, Joshua Oshie et tous ces gens-là, s'ils avaient su que la jeunesse camerounaise pouvait être debout, eux-mêmes devaient se rallier. Et c'est ce que les élections allaient se passer comme d'habitude, que Biya devait proclamer sa victoire et les gens allaient rester tranquilles. C'est pour cela qu'ils n'ont pas anticipé. Ils n'ont pas anticipé la souffrance des Camerounais. Et c'est Kamto seul qui a compris. Kamto est le seul opposant qui a compris que les Camerounais souffraient au fond d'eux et que les Camerounais n'étaient plus prêts à accepter cette dictature. Kamto est le seul qui a compris. C'est la même chose qui se passe en Algérie. Oui, si vous êtes des experts, si vous êtes des experts et que vous suivez la politique étrangère, même le gouvernement algérien, Bouteflika et tout, ne pouvait pas imaginer que le peuple algérien, que la jeunesse algérienne allait se mettre debout pour dire non à sa candidature. S'il avait imaginé, il n'aurait pas demandé qu'on lui donne un an pour qu'il puisse refaire les élections. Ou il ne devait pas repousser la date des élections une fois quand les jeunes Algériens sont mis debout. Il l'aurait fait avant, mais il ne s'attendait même pas. Il ne s'attendait pas. Et c'est la même chose pour la France. Donc, mes chers amis, essayez de regarder autour de vous et de voir la souffrance du monde entier, des jeunes du monde, la souffrance des pays du tiers-monde. C'est ça qui doit vous parler. C'est ça qui doit vous interpeller. Je ne suis pas un expert, mais j'essaye de regarder autour de moi et je me pose la question. Pourquoi les gens se lèvent en ce moment? Pourquoi ils ne se sont pas levés hier? Aujourd'hui, même la France, si la France avait imaginé Macron et son gouvernement, s'ils avaient imaginé que les gilets jaunes allaient faire 4 mois de suite, toutes les semaines, tous les samedis, à manifester en France, ils auront agi autrement. Et ils se sont toujours dit, comme tous ces pays-là se sont dit, comme même Biya s'est dit, que c'est une manifestation en une journée, 2 journées, ils vont se calmer, les choses vont passer, on va passer à autre chose. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont même ouvert le grand débat et tout, jusque-là, les gilets jaunes ne s'arrêtent pas. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose, El Chenou, je te dis. Si même la France ouvre le débat pour les gilets jaunes, pour parler du grand débat, c'est parce qu'il y a une pression. Et la pression ne doit pas s'arrêter. La pression ne doit pas être interrompue en disant qu'on fait les marches une fois par mois. Les marches, à partir du 30, seront toutes les semaines. Ce sera toutes les semaines. On va faire des marches tous les samedis. Parce que la pression ne doit pas s'arrêter. Ce n'est pas parce que, comme tu nous dis, que la communauté internationale est déjà informée des prisonniers politiques au Cameroun. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas, le fait que la communauté internationale soit au courant. Ça ne suffit pas parce que cette communauté internationale, pour l'instant, ne fait rien. Même si on a appris ce matin qu'il y a 27 membres du gouvernement qui sont interdits de séjour sur le sol américain et que leurs avoirs sur le sol américain seront gelés. Mais cela ne suffit pas pour renverser le pouvoir de Biya, ça ne suffit pas. Il faudrait que nous continuions la pression. C'est pour cela que j'appelle la base des États-Unis, j'appelle la base du Canada, de l'Angleterre, de l'Italie, de la France, du Cameroun, de la Belgique. Je vous appelle tous, je vous appelle tous à continuer les manifestations, continuer la pression. Continuons la pression tous ensemble. Car je serai là, je serai toujours devant. Je ne vais pas fuir, je ne vais pas reculer. Parce que j'ai mis ma vie, comme vous aussi, vous avez mis votre vie. Donc nous partageons le même problème, le même destin. Nous allons mourir ensemble, s'il le faut. Nous allons mourir ensemble. Que Atan Gandhi le sache. Même les divisions qu'ils essayent de faire dans les groupes, les hommes comme moi, nous sommes nombreux. Même si je suis courageux à faire une vidéo tout seul, à faire une vidéo tout seul, nous sommes nombreux les combattants de l'homme. Peut-être vous ne savez même pas. Nous sommes nombreux les combattants de l'ombre. Et quand vous allez nous voir à l'action, il y a une action qu'on n'a pas menée avec la brigade anti-sardinat de Calibri Calibro, tout simplement parce que le peuple camerounais au Cameroun nous a découragés. Mais nous allons mener cette action et vous verrez, parce que nous serons sur le terrain. Nous n'allons pas être là pour faire des directs. Nous serons sur le terrain. Ce n'est pas nous qui allons filmer, c'est vous qui allez filmer l'action. C'est vous et les journaux vont en parler. Ça, je peux vous le jurer. Les journaux vont en parler. Nous n'allons pas seulement rester là pour dire que quand Biya va se réveiller, il va nous voir devant lui. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin, monsieur El Chenou. On n'a pas besoin. Il faut sensibiliser le peuple camerounais. Pourquoi est-ce que le peuple camerounais vivant au Cameroun ne se lève pas? C'est la question qu'il faut se poser. Pourtant, nous savons déjà que même ces dirigeants dans l'ombre sont pour le changement. Ils sont pour parce qu'ils nous appellent tout le temps. Il nous demande, mais il nous encourage de ne pas arrêter ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous le faisons pour tout le peuple. Nous ne le faisons pas seulement pour nous-mêmes. Ils savent qu'on le fait pour tout le peuple. Et comme je le dis, si un combattant, en venant dans cette lutte, c'est parce qu'il vient dans une lutte politique. Nous ne sommes pas des politiciens.
Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des combattants pour la révolution du Cameroun, pour le changement du Cameroun. Nous ne faisons pas de la politique. Oui, pour ceux qui font de la politique, allez vous inscrire dans un parti politique et défendre vos intérêts là-bas. Mais chez nous, chez les combattants, nous ne sommes pas les partis politiques. Ne venez pas dans le combat parce que vous imaginez un seul instant que vous allez avoir un poste dans le gouvernement une fois que Biaba tombe. Les combattants, ce n'est pas ça. Les combattants, c'est de rétablir la démocratie. De rétablir le pouvoir au peuple, par le peuple et rien que pour le peuple. C'est ça un révolutionnaire. C'est ça un combattant. Pour le peuple et rien que pour le peuple. Alors ceux qui ont les capacités à gérer le pays prendront le règne. Et nous allons toujours être là. Quand on s'engage dans un combat de la révolution, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. C'est toute une vie tant que les choses ne changent pas. Quel qu'en soit le candidat qui sera là, nous serons toujours debout. Nous serons debout. Parce que l'ADN de la révolution est ancré dans le sens même de la révolution est ancré dans l'ADN des Camerounais. Donc tout jeune révolutionnaire qui s'arrête, si M. H. ne veut s'arrêter, il verra à l'instant T un autre révolutionnaire qui va le remplacer immédiatement. Parce que l'ADN de la dans le sens même de la révolution est ancré dans l'ADN des Camerounais. Alors, mes chers amis, je le dis encore et je continue à le dire. À un certain moment, nous avons eu marre. Nous avons eu marre du Congo-Sa. Et tous ceux qui font le Congo-Sa, si vous n'avez pas besoin de vous trouver sur notre chemin, comme nous sommes en train de partir vers étudier, si vous voulez que nous on dévie, ça peut nous prendre quelques jours, quelques temps, quelques heures, mais nous allons dévier et vous trouver. Quel qu'en soit, vous n'êtes pas la police. Je dis bien, nous allons vous trouver si vous voulez nous embêter, si vous voulez nous empêcher. Parce que c'est au Cameroun que les gens ont dit brigade des patriotes. J'ai appelé à mes camarades, je le dis encore une fois de plus. C'est le seul pays au monde où un peuple se lève pour le changement, la majorité d'un peuple, qu'on trouve certains individus qui se mettent encore sur le chemin de ce peuple-là et qu'on ne leur fasse rien. Mais c'est la première fois. Regardez dans d'autres pays, les gens se cachent. Une fois qu'un peuple est debout, demandez à un Algérien qui n'est pas pour le changement de faire un direct pour dire qu'il est contre ce changement. Mais les Algériens vont le manger. Ils vont le manger. Parce que ça se passe comme ça. Une fois que la majorité des gens sont debout, la minorité se tait. La minorité se tait. Vous faites vos trucs en coulisses. Vous ne venez pas nous décourager. Quand je vois des gens qui envoient les têtes de mort, les gens qui envoient des messages, parce que vous cachez dans des faux profils. Vous vous cachez dans des faux profils pour le faire. Nous, on ne se cache pas. On met nos profils. Même quand je veux commenter une vidéo, un direct, je mets mon profil, je ne me cache pas. Si la personne qui fait le direct veut me donner rendez-vous, je serai présent. Je serai là et je vais le répondre au tac, au tac. Dans un certain moment, il faut que les Camerounais comprennent. Nous mettons nos vies en danger. Alors, quelqu'un qui est au bord de la tombe, un poisson n'a pas peur de se noyer. Je vous le dis encore bien. Un mort n'a pas peur de la mort parce qu'il est déjà mort. Bien a décrété que nous sommes morts, nous ceux qui sont, tous ceux qui sont mis dans la révolution. Alors je dis à tous ceux qui veulent se mettre sur notre chemin, vous allez mourir avec nous. Vous allez mourir avec nous. Je vous le dis encore une fois de plus. Alors si vous êtes sage et que vous soutenez la dictature de M. Bia, mettez-vous de côté. Parce que nous allons nous en prendre à tous ceux qui soutiennent la dictature de M. Bia. Comme Atan Gandhi l'a dit, l'État c'est un monstre froid qui écrase tout son chemin. Et je le redis à Atan Gandhi. La révolution, c'est le peuple de la révolution. C'est un monstre chaud qui brûle tout sur son chemin. Et je lui redis encore. Je dis bien, le peuple, c'est un monstre chaud qui brûle tout sur son chemin. Alors, mes chers amis, pour tous ceux qui veulent nous chercher, si vous voulez nous voir, vous allez nous voir. Je vous le dis, vous allez nous voir. Alors, Elchen, je te le dis encore. Si tu es un combattant, comme tu l'as toujours dit, alors rejoins les grands du combat et laisse ce titre de côté. Reviens avec nous, puisse organiser ensemble les actions pour renverser le pouvoir de Biya. Tu ne pourras pas le faire seul. Tu ne pourras pas le faire seul. Et toi-même, tu le sais. Tu as besoin de tout le monde. Alors, ton orgueil fait en sorte que tu penses que tu peux mobiliser des gens plus que les autres. Même une seule personne, je le dis à tous ceux qui sont à côté de moi, une seule personne en plus dans une marche est un plus. Une seule personne. Si nous étions 100 et qu'on réussit à convaincre une personne pour que nous soyons 101 personnes, c'est déjà un plus, on est plus 100, on est 101. Alors, monsieur Chenou, si tu as des gens derrière toi, amène ces gens-là avec nous. Comme moi-même, j'amène mes gens. La basse amène ses gens. Patrick Gagnon amène ses gens. Patrick Moun amène ses gens. Le commandant Kenta, le général Wanto. Vous tous, on forme un groupe, un seul groupe. Oui, un groupe. Chacun peut. Attendez qu'on finisse l'objet même principal du combat et après, divisez-vous. Attendez, on finit l'objet et après, j'appelle les Amazones.
avec tout le respect que j'ai pour vous, arrêtons au Congo ça et concentrons-nous sur l'action qui nous attend. Arrêtons le Congo ça et concentrons-nous sur l'action qui nous attend. À un certain moment, on en a marre. Je ne parle pas souvent fort, mais j'en ai marre. J'en ai eu marre, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines, j'essaye de parler en coulisses, d'appeler tous ceux dont on est en contact pour demander que cette histoire s'arrête. Ça fait 3 semaines. J'interviens même dans les directs pour parler qu'il faudrait que ça s'arrête, qu'on puisse se remettre sur le chemin de la révolution, le chemin que nous avons pris tous ensemble, le chemin sur lequel nous risquons nos vies. Quand je vois des femmes pleurer en direct, comme la générale Sandy, ça me fait mal. Parce que c'est des femmes courageuses. C'est des gens qui ont mis leurs enfants de côté. Oui, elles ont mis leurs enfants de côté pour participer à la marche, participer à une marche, participer à l'organisation d'une marche, participer aux différentes réunions. Ça se fait souvent tard le soir parce que les gens travaillent. Ce n'est pas facile, je le sais. Alors que les gens ne restent pas chez eux et croient que les gens ne travaillent pas. Vous travaillez, nous sommes conscients. C'est pour ça que j'ai toujours appelé les gens à vous soutenir. J'ai toujours appelé les gens à participer à vos actions. Parce que l'action, c'est une action commune. Nous tous, nous avons un seul objectif. Nous débarrasser du clan de Bia, de Chantal Bia, de Ngongo au pouvoir à Yaoundé. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Nous ne sommes pas là pour discuter du leadership. Nous sommes là pour que tous ensemble, nous convergeons vers Yaoundé et que nous installons la démocratie au Cameroun. Nous installons une fois de plus le vivre ensemble, la paix, la vraie paix. Pas la paix que Bia nous vend dans les médias. Pourtant, chez nous, on sait que ça ne va pas. Ça ne va pas chez nous, on le sait, nous tous. On n'a pas besoin de revenir là-dessus tout le temps. Mais même s'il faut qu'on revienne, c'est pour sensibiliser les Camerounais. Donc, si j'ai décidé de faire ce direct, c'est parce que j'ai eu marre. J'ai eu marre quand j'ai suivi le direct de El Chenouyer. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal qu'un homme nous fait comprendre que la révolution, ce n'est pas le luxe. La révolution, ce n'est pas le luxe, monsieur Chenou. La révolution, ce n'est pas le luxe. Ce n'est pas parce que tu as convoqué une réunion à Berlin et que les gens de Camerounais de France sont arrivés, tu les as mis dans des hôtels de luxe, je ne sais pas quoi. Ils n'en ont pas besoin. On n'a pas besoin. Même si on peut faire une réunion dans un sous-sol, dans une cave, à partir du moment. Les grands révolutionnaires, comme les Che Guevara, tu crois qu'ils faisaient des réunions où? Ils faisaient dans la brousse parce qu'ils étaient pourchassés. Ils faisaient des réunions dans la brousse. Ils n'avaient rien du tout, ils n'avaient même pas de quoi écrire. Mais les gars arrivaient à se comprendre, à coordonner les actions. Et ils sont arrivés au bout de leurs actions. Le peuple les remercie jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ça un combattant. Un combattant n'a pas besoin d'une grosse voiture. Un combattant n'a pas besoin d'avoir un grand terrain, je ne sais pas quoi. Un combattant a besoin d'avoir les hommes autour de lui avec qui il peut avoir confiance. Des combattants comme lui, pour qu'ensemble, on puisse arriver au bout de ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche, ce n'est pas la notoriété. Non, ce n'est pas la notoriété. Si vous venez dans le combat parce que vous voulez être le général des généraux, alors restez-y. Mais nous, combattants de l'ombre, nous, ceux qui donnent du temps, qui sont prêts pour aller à l'action, nous, on n'a pas besoin. Quand vous êtes dans un combat, quand vous êtes devant l'ambassade ou à l'ambassade, c'est pas tous ceux qui sont entrés à l'ambassade ne sont pas là, n'étaient pas là pour qu'on les connaisse. Vous ne les connaissez même pas. Mais ils ont participé de manière anonyme à ce qu'aujourd'hui, le Cameroun, l'opinion internationale puisse être au courant de la situation du Cameroun. Quand nous nous trouvons dans les marches à plus de 2000, 3000 personnes, mais ce n'est pas tout le monde qui prend le micro, mais tout le monde vient, les enfants viennent, pour qu'ensemble nous puissions arriver à l'objectif final. C'est ça qu'on appelle une révolution. C'est ça qu'on appelle la sensibilisation d'un peuple face à la dictature qu'ils sont en train de vivre. C'est ce que Ekanga Wilfried nous dit toujours, la dézombification. Il faut dézombifier le peuple camerounais parce que Bia nous a zombifié depuis 37 ans. Ça fait 37 ans le peuple est zombifié. Ça fait 37 ans le peuple vit dans la peur. Alors aujourd'hui, ce n'est pas avec les armes, pourtant ils ont peur des armes, que nous allons les dézombifier. C'est avec la parole. C'est avec la parole. C'est avec les actions. C'est avec les montants que nous sommes capables, qui peuvent nous faire confiance. C'est en les montants qu'on n'est pas là pour dévoiler leur vie. Et c'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de montrer son visage. Ce n'est que normal. C'est pour ça qu'on appelle, lors de la manifestation du 30 mars, même si vous pouvez être masqué, masquez-vous et venez aux marches. Même si vous pouvez porter des cagoules et venez à la marche. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est qu'on soit nombreux, que la mobilisation soit partout
dans le monde entier, dans les quatre coins du monde entier, et au Cameroun même. Nous appelons même les jeunes Camerounais. Nous appelons les jeunes Camerounais, les souffreteurs du Cameroun, les Bayam Salam Camerounais, les Motomans, dans les Bensikineux Camerounais. Nous les appelons tous à se lever. Levez-vous, levez-vous. Vous avez vu en Algérie, on ne vous répète pas plusieurs fois. En Algérie, vous avez vu, c'est le peuple, il n'y a pas eu de mot d'ordre. C'est le peuple qui s'est levé pour dire non à Bouteflika. C'est le peuple. Vous avez vu au Burkina Faso. C'est le peuple, il n'a pas besoin d'armes. C'est le peuple burkinabé qui se levait en main nue et a chassé Kampaoré au pouvoir. Vous l'avez vu, on ne vous explique pas. C'est le peuple qui a dit la patrie où l'on, ils étaient prêts à mourir et l'armée ne pouvait pas les tuer tous. Alors, mes chers amis, je vous le dis encore une fois de plus, il est temps. Il est temps que vous vous levez. Il est temps qu'on se lève. Nous tous, il est temps qu'on continue à faire des marches. Oui, nous allons faire des marches. Nous allons continuer à faire des marches jusqu'au bout. De Lyon nous dit, pour ma part, tous les combattants et combattantes laissent même tomber et ces criminels vont tuer tous dans ce foutoir, bande d'idiots. Mais effectivement, à un certain moment, c'est ça. Il y a des gens qui sont tellement engagés, mais ils en ont marre. Ils en ont marre de suivre tout le temps le Congo, ça qui se passe partout. Ils en ont marre. Et parce qu'ils en ont marre, certains sont en train de baisser les bras. C'est pour ça que nous appelons les combattants, nous leur disons, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Donc, restez debout. Restez unis. Restez ensemble. Parce que nous avons un seul mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est de renverser le pouvoir de M. Biya. Et chacun le sait. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous avons des combattants. Aujourd'hui, nous sommes déjà en train de risquer nos vies. Donc, nous ne pouvons plus faire marche arrière. On dit « wata na wata » comme on dit chez nous. Oui, à la guerre comme à la guerre. Nous ne pouvons plus nous arrêter. Même s'il manque une seule personne, la personne va continuer. Il va continuer ce combat et il va continuer à sensibiliser les gens. Il va continuer à sensibiliser la jeunesse. Il va trouver ceux comme lui qui sont prêts à aller jusqu'au bout du bout, qui est d'arriver à étudier. Et nous allons y arriver, quel qu'en soit le temps que ça va prendre. Et la fin est proche. La fin est proche. Il y a des signaux qui ne trompent pas, vous le savez. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand vous voyez la division, quand vous voyez le diable commencer à entrer dans le groupe des résistants, pour les diviser, c'est parce que le diable sait avant nous tous que la fin est proche. Le diable sait avant nous tous que la fin est proche. Alors, chers combattants, il faut savoir une chose. Quand le diable te déteste, c'est parce que Dieu t'aime. Donc, vous tous combattants, que bien vous tue, c'est parce que Dieu vous aime. C'est parce que vous êtes sur la bonne voie. Alors, ne vous découragez pas. Vous êtes sur la bonne voie. C'est pour ça que le diable d'Atangandi est derrière vous. C'est pour ça que ce diable-là veut vous tuer pour vous empêcher d'entrer dans la lumière. Ce diable veut vous empêcher d'entrer dans la lumière. Oui, la lumière de Dieu est braquée sur le Cameroun. La lumière de Dieu est braquée sur le Cameroun. Il ne nous manque qu'à appuyer l'interrupteur. Et cet interrupteur-là, nous allons l'appuyer par la volonté de Dieu. Nous allons le faire. Nous allons appuyer cet interrupteur pour que la lumière éclaire une fois pour tout le Cameroun. Nous allons l'appuyer. Et c'est ensemble que nous allons le faire. Cette révolution, c'est votre révolution. Le Cameroun, c'est votre Cameroun. C'est notre Cameroun. La révolution n'appartient à personne. C'est notre révolution à tous. Nous tous, nous avons soif du changement, ça fait des années. Nous tous, nous avons soif du changement, ça fait des décennies. Nos grands frères, nos grands-parents d'abord sont morts pour l'indépendance du Cameroun. Malgré que M. Mesmer, en tant que gouverneur français au Cameroun, l'a dit dans sa mémoire en mourant, nous avons accordé l'indépendance à ceux qui le voulaient le moins et nous avons fait tout pour tuer ceux qui voulaient le plus l'indépendance pour le peuple camerounais. Oui, vous avez lu les mémoires de Pierre Mesmer, qui était gouverneur du Cameroun pendant la colonisation. Vous l'avez lu. Alors, mes chers frères, c'est la même chose. C'est l'histoire qui veut se répéter. L'histoire veut se répéter. On veut tuer les combattants qui se battent pour la libération du Cameroun. Et on veut accorder aux gens comme Gongo, qui sont des traîtres, qui sont des assassins, qui sont des criminels, qui sont des diables, le changement de M. Biya. C'est faux. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter. Et nous ne devons pas accepter.
Donc c'est à vous que je parle pour que nous tous nous mettons debout pour empêcher que cela n'arrive. C'est arrivé une fois parce qu'ils ont tué les Ernest Ouandié, ils ont tué Oum Niobe pour accorder l'indépendance à M. Aïdjé le moins. Oui, ils le demandaient le moins. Ils ont fait tout, comme l'a dit Mesmer, pour tuer ceux qui le demandaient le plus. Ils ont tué tous les dirigeants et cadres de l'UPC. Et c'est la même chose qu'ils veulent faire pour le MRC. C'est la même chose. C'est l'histoire qui se répète. C'est l'histoire qui veut se répéter. Et cette histoire, si ça se répète, c'est parce que le peuple camerounais est lâche. Mais nous ne serons pas lâches. Nous ne serons pas lâches. C'est qu'ils ont oublié. Ils ont oublié une seule chose. À l'époque qu'ils ont appelé les maquisards et tout, il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas l'Internet. Et c'est ce qui est en train de jouer en notre faveur en 2019, depuis 2018. C'est ce qui joue en notre faveur. Et nous allons exploiter cela jusqu'au bout. Nous n'allons pas nous arrêter. Oui, nous allons exploiter cela. Ils ont oublié une chose. C'est qu'ils se disaient que le soir du 22 octobre, une fois que Biya, le conseil constitutionnel aura proclamé les résultats en faveur de Biya, le peuple allait se taire. Mais ils avaient oublié la majorité silencieuse du Cameroun, qui est un peuple incorruptible. Je le sais, nous sommes incorruptibles. Vous pouvez envoyer des milliards que vous voulez, nous ne les prendrons pas, nous n'allons pas le prendre, car nous sommes incorruptibles à la souffrance des Camerounais. Nous sommes incorruptibles à la mort des Camerounais qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Oui, nous sommes incorruptibles sur tout cela. Nous sommes incorruptibles sur le détournement massif des fonds publics. Nous sommes incorruptibles sur l'organisation de la Coupe d'Afrique, la CAN. Aujourd'hui, nous sommes en train de courir derrière la qualification. Pourtant, nous étions déjà qualifiés d'office. Aujourd'hui, même quand on dit que nous sommes qualifiés, nous ne sommes pas encore sûrs parce que nous savons qu'il y a le Comore qui a fait une requête auprès de la CAF pour dire que le Cameroun, après avoir été suspendu de l'organisation de la Coupe d'Afrique, ne devrait plus participer. Ils prennent l'exemple par rapport au Maroc. Oui, donc mes amis, vous le savez, nous sommes toujours là en train de nous trouver des raisons. Nous sommes toujours là en train de nous trouver des raisons. À un certain moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de se trouver des raisons. Il faut qu'on comprenne que ce qui est l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu personnel. L'enjeu aujourd'hui, c'est pour libérer un peuple. Pour libérer un peuple. Un peuple qui souffre. Un peuple dont nous-mêmes, nous sommes les victimes, même si aujourd'hui nous sommes à l'étranger. Nous savons que nous sommes les victimes. Si nous sommes trouvés à l'étranger, nous sommes la preuve vivante de l'échec de 37 ans au pouvoir de M. Biya. Nous sommes la preuve vivante. Donc arrêtons de nous cacher. Ne nous cachons plus. Ne nous cachons plus. Oui, ne nous cachons plus. Ne nous cachons plus. Je le dis encore une fois de plus, ne nous cachons plus. Parce qu'à un certain moment, ces gens-là croient que nous sommes lâches. Le monde entier, les différents jeunes du monde entier croient que nous sommes lâches. Mais nous ne sommes pas lâches. Nous ne sommes pas lâches. Les Camerounais étaient toujours les premiers en Afrique. Oui, les Camerounais étaient toujours les premiers dans la révolution. Les Camerounais étaient toujours les premiers. Dans certains pays, au Burkina Faso, partout, on parle du Cameroun, des combattants camerounais, les Oum Niobe. Comme c'est des héros, ils sont célébrés là-bas parce que les Camerounais ont toujours eu le courage. Les Camerounais étaient toujours devant. En 2008, mes amis, en 2008, en février 2008, les Camerounais étaient les premiers pays, les premiers jeunes pays en Afrique et dans le monde à se lever contre la crise, pour la crise de la faim. On était les premiers. Biya a tué plus de 150 jeunes. Biya nous a effrayés et vous connaissez les responsables. Vous continuez à demander aux gens, venez au Cameroun, venez au Cameroun. Vous connaissez les responsables. Les responsables, c'est Biya et ça clique. En 2008, on était les premiers à se lever pour la crise de la faim. Ce n'étaient pas les politiciens qui nous ont mis en route. Nous, ce n'étaient pas les politiciens qui nous ont mis en route. C'est les jeunes Camerounais qui en avaient marre parce qu'on n'arrivait plus. On avait augmenté le prix du riz, de la farine, du ciment. On avait augmenté tous les prix du carburant, tout. Les gens en avaient marre, ils se sont levés en 2008 pour dire non. Mais Monsieur Biya est passé devant la télé pour nous traiter, nous jeunes d'apprentis sorciers. Mais mes amis, à un certain moment, ayons honte. Ayons honte qu'un vieux, qu'on va dire que c'est notre vieux, c'est notre grand-père, notre papa. Mais ton père ne t'insulte pas d'apprentis sorciers. Il ne t'insulte pas d'apprentis sorciers. Quand tu as faim, il essaie de te trouver à manger. Il ne t'insulte pas d'apprentis sorciers. Alors ces jeunes du RDPC qui se nourrissent du pain sardine, oui, ayez honte. À un certain moment, ayez honte. Ayez honte de vous mettre en face des vrais Camerounais, des vrais hommes dignes
des hommes libres, parce que moi, je suis libre. Je suis libre, je me suis affranchi. Oui, je me suis affranchi de la dictature de M. Biya. C'est pour ça que je me mets devant et je vous dis, libérez-vous comme moi. Libérez-vous, parce que moi, je suis libre. Je ne dépends plus de M. Biya, je suis libre. Je suis libre. Je me suis libéré, je me suis affranchi de cette dictature. Alors, mes chers amis, je vous appelle à faire comme moi. Faites comme moi. Libérez-vous. Libérez-vous de cette dictature. Ça va vous amener à parler. N'allez plus seulement dans les bars. N'allez plus dans les circuits. N'allez plus seulement au quartier raconter Biya va partir, Biya va partir. Biya ne partira pas de lui-même. Biya ne partira pas de lui-même. Ils vous l'ont déjà dit. Après Biya, c'est Biya. Ils vous ont dit qu'après Biya, c'est Biya. Donc, si vous restez tranquille, c'est ce qui va se passer. Après, Biya sera Biya. Alors, c'est pour cela que nous sommes debout. Ça ne se passera pas avec nous. Oui, je le dis encore à Tangandi. Regarde-moi bien, ça ne se passera pas avec nous. Nous sommes libres. Oui, nous sommes libres. Nous, Camerounais de la diaspora, nous qui avons pris le chemin de la résistance, nous qui avons pris le combat pour le changement, nous sommes libres. Tous les combattants, sentez-vous libres. Sentez-vous libres. N'ayez pas peur. Si quelqu'un vous insulte, répondez-lui bien. Répondez-lui. Répondez-lui bien. Oui, Salomel. Il faut lui répondre. Parce que moi, je n'ai pas été content. Je n'ai pas été content, et je le dis encore. Je n'ai pas été content de El Chenouillet quand il a sorti. Quand dans toutes les familles du monde, même comme au Cameroun. Le Cameroun, c'est une famille. Nous avons des problèmes. Nous avons essayé au Cameroun de résoudre les problèmes pacifiquement. Biya n'a pas accepté. Nous avons demandé qu'il y ait un dialogue inclusif et la communauté internationale est allée dans ce même sens. Biya n'a pas accepté jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose partout. Dans toutes les familles, il peut y avoir des problèmes. Dans tous les groupes de combattants, il faut avoir des problèmes. Mais même si vous vous sentez en tant que combattant qu'on vous a mis de côté, n'allez pas salir ce groupe-là. Si vous êtes un combattant, formez vous-même votre propre groupe. Je le tiens encore El Chenou. Arrête de saboter les autres groupes. Forme ton propre groupe si tu es un combattant. Forme ton groupe. Et au moment venu, lors de l'action, appelle-nous. Nous allons t'aider. Nous allons t'aider. Si l'action, elle est juste, l'action, elle est cohérente et l'action, elle est faisable, nous allons t'aider à réaliser cette action. Nous allons nous mettre même dans l'ombre. Pour que tu puisses être célèbre, c'est ça qui t'intéresse. Nous, on s'en fout à partir du moment où on libère le Cameroun. On s'en fout. Mais il faut arrêter de saboter les groupes. Parce que ces groupes sont supportés par des millions de Camerounais. Je ne parle pas de milliers, des millions de Camerounais. Oui, ces groupes sont supportés par des millions de Camerounais. L'action, l'idée de la résistance est ancrée dans l'ADN des milliers de Camerounais. Alors donc, quand on veut s'adresser concernant la résistance, il faut qu'on mesure ces mots. Il faut qu'on mesure ces mots. Parce qu'il y a des mots, aujourd'hui, j'en ai marre. J'ai eu plus de 150 appels, pour ceux qui me connaissent. J'ai eu plus de 500 messages parlant de El Chenou, El Chenou, El Chenou, El Chenou. Qu'est-ce qu'il veut faire à la résistance? Qu'est-ce qu'il veut faire aux combattants? Qu'est-ce qu'il veut faire à la base? Mais j'en ai marre. À un certain moment, El Chenou doit combattre. J'ai même intervenu dans son direct hier en lui posant la question. Peut-être qu'il n'a pas lu, mais il aurait lu après. Hein? Mais c'est quoi le but? C'est quoi le but de tout ce que tu es en train de parler? Le but, c'est de réconcilier tous les combattants pour qu'on aille dans le même chemin ou le but, c'est de diviser? Bien, nous a déjà assez divisé. Mais ce n'est pas à nous encore à nous diviser nous-mêmes. Bien, assez divisé. Nous le savons tous que bien, le sang qui circule dans Bien, c'est le sang de la division. C'est ça qui est son sang, c'est ça qui est son air qui respire. Il respire bien quand les Camerounais sont divisés. Ils respirent très bien quand les Camerounais sont divisés. À Tangandi, c'est la même chose. Ngongo, c'est pareil. C'est des gens qui respirent très bien quand les Camerounais sont divisés. Mais nous n'allons pas continuer à nous diviser pour faire plaisir à ces idiots, pour faire plaisir à ces cancres, pour faire plaisir à ces monstres. C'est des monstres. Si Bia ne t'aime pas, mon frère, sache que Dieu t'aime. Je te le dis encore. Si Bia ne t'aime pas, sache que Dieu t'aime. Si Bia n'accepte pas tes actions, sache que Dieu l'apprécie. Dieu l'accepte et Dieu t'encourage. Parce que le diable, c'est Biya. Et si le diable ne t'accepte pas, c'est parce que Dieu t'aime, c'est parce que Dieu a ouvert tes yeux, c'est parce que tu es libre. C'est pour ça que le diable ne t'accepte pas. C'est pour ça que le diable cherche à te tuer. C'est pour ça que le diable fait tout pour t'exterminer. Alors, mes chers amis, chers combattants, le combat que vous menez, c'est un combat noble. Je respecte, je vous respecte. Je vous respecte, je respecte tous les combattants.
tous les combattants et les combattants dans l'ombre. Je vous respecte, car je suis au courant de toutes les actions que vous préparez. Je suis au courant du travail que vous menez tous les jours. Je vous respecte. Et je serai avec vous. Si vous avez un souci, vous avez mon numéro, appelez-moi, je serai là. Si vous avez une action à le faire, appelez-moi, je serai là. Je n'ai pas besoin de coordonner l'action, mais je viens dans le tas. Parce que je le dis toujours à mes amis, à tous ceux qui sont intellectuels. Je n'appelle pas les intellectuels dans la résistance, parce que ces intellectuels ne travaillent que pour leur propre intérêt. C'est des gens qui ne travaillent que pour eux-mêmes. La résistance, comme je le dis encore à M. Chenou, qui a dit hier que pour être dans la résistance, il ne faut pas avoir faim. C'est faux. Un vrai résistant, c'est celui qui a faim. C'est la famine qui t'amène dans la résistance. C'est des problèmes qui t'amènent dans la résistance. Tu ne verras pas un ministre être résistant. Tu ne verras pas un chef d'entreprise qui a des milliards être résistant. Il ne sera pas résistant. Les résistants, c'est ceux qui souffrent. C'est la majorité des souffreteurs que j'appelle toujours. C'est à vous lever. Oui, c'est à vous lever. Parce que la résistance dans tous les pays du monde, c'est la souffrance. C'est les problèmes. C'est la misère, c'est les maladies, c'est les morts. Vous n'allez pas continuer à mourir avec les accidents de Bensikine parce que les routes ne sont pas bonnes. Vous n'allez pas continuer. Entre-temps, les Ngongo et les autres, ils détournent les 3 000 milliards. Mais c'est des chiffres qui font mal à la tête. C'est des chiffres qui font mal à la tête. Et c'est le chiffre des Camerounais. C'est les Camerounais, c'est l'argent du Cameroun. Ces gens-là travaillent quoi? Dites-moi ce qu'ils travaillent. Ils travaillent quoi pendant 37 ans? On vous laisse quelque part pendant 37 ans. Si vous ne faites rien, c'est en 7 ans que vous allez faire quoi? C'est en 7 ans que vous allez faire quoi si vous ne faites rien? Même quand un enfant se lève et dit à ses parents, j'en ai marre. Les parents essaient de comprendre pourquoi l'enfant dit qu'il en a marre. Le parent ne cherche pas à le tuer. Mais bien veut nous tuer. Bien nous tue parce qu'on dit que ça ne va pas. Il nous tue parce qu'on dit que ça ne va pas. Et certaines personnes vont nous dire d'avoir pitié de lui. Mais nous ne pouvons pas avoir pitié de monstres. Nous ne pouvons pas avoir pitié de monstres. Et nous ne pouvons pas avoir pitié d'un monstre. Quelqu'un te tue parce que tu lui dis que ça ne va pas. Tu as faim. Tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à te soigner. Tu n'arrives pas à gérer la fin du mois. Tu n'arrives pas à aller même enterrer ta mère ou ton père dignement. Mais la personne veut te tuer. Ça dit qu'il faut te taire. On va nous taper, nous torturer, nous fouetter et on va se taire. Mais attends, à un certain moment, il faut arrêter. Nous ne pouvons plus nous taire, monsieur Bia. Monsieur Atanga, nous n'allons plus nous taire. Nous ne sommes pas là. Ce n'est pas Kamto qui nous envoie. Hein. Kamto n'est même pas en mesure de payer même les combattants. Il n'est même pas à mesure de les payer. Je te le dis encore. Et c'est ça qui a trompé le RDPC. Parce que je vous pose toujours la question. Qui vous finance? Qui vous finance? Quand vous allez trouver la réponse, vous allez comprendre. Quand vous allez trouver la réponse, vous allez comprendre. Donc posez-vous toujours la question. Et le jour que vous allez trouver la réponse, c'est le jour que nous serons en face de vous. C'est ce jour-là que vous allez comprendre qui nous finance. Celui qui nous finance, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous finançons parce qu'on en a marre. C'est nous-mêmes qui prenons de notre temps pour aller aux manifestations, on ne nous paye pas. C'est nous-mêmes qui prenons notre temps pour faire des directs, pour sensibiliser les gens, on ne nous paye pas. C'est nous-mêmes qui payons nos connexions. Et c'est les Camerounais eux-mêmes qui payent leurs connexions pour suivre ces directs. C'est les Camerounais eux-mêmes qui se déplacent pour aller aux manifestations. Comme les Camerounais eux-mêmes l'ont fait, ils sont déplacés pour aller voter. Vous ne les avez pas payés. Vous avez payé les RDP System, vous n'avez pas payé tout le Cameroun. Vous n'avez pas payé tous les Camerounais. Les gens prennent de leur poche, les gens prennent de leur temps pour se battre pour leur pays, parce que c'est notre pays. Atangandi, tu n'es pas plus Camerounais que moi. Ngongo, tu n'es pas plus Camerounais que moi. Chantal Bia, tu n'es pas plus Camerounais que moi. Et moi non plus, je ne suis pas plus Camerounais que Brenda Bia. Et Bia même n'est pas plus Camerounais que moi. Nous sommes tous des Camerounais. Et ce pays, ça nous concerne. Que ça te plaît ou pas, monsieur Chenou. C'est notre pays. Tu es mon frère. Et nous allons nous battre. Si tu es sur le chemin de la résistance, nous allons être ensemble. Mais si tu es là pour la distraction, tu seras contre moi. Et je serai contre toi. Je vais me battre contre toi. Oui, je te le dis encore. Je vais me battre contre toi. Et je suis que seul à seul, tu vas me dépasser. Oui. Quand j'ai des problèmes, mes problèmes vont me donner une force surnaturelle et je vais te vaincre. Je vais te vaincre, je te le dis. Mais il faut arrêter les conneries. Il faut que vous arrêtez. Même Atangan, tu le sais, nous sommes déterminés. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous sommes déterminés. C'est nos problèmes qui définissent notre détermination. C'est parce que nous souffrons. Oui, c'est parce que nous souffrons. C'est parce que nous avons les enfants qui souffrent. C'est parce que nous avons les petits-frères qui souffrent. C'est parce que nous avons la famille qui souffre. C'est pour ça que nous sommes debout. Nous sommes debout, la famille nous a régné. On a dit qu'on est debout. Moi, je suis debout.
Oui, je suis debout, monsieur Atangadi. Je suis debout, monsieur Bia. Je suis debout, monsieur Elchenou. Et personne de vous ne m'a mis dans cette résistance. Je dis bien personne. Comme vous n'avez mis personne du tout. Alors respectez ceux qui se battent avec vous. Respectez ceux qui sont de votre côté. Respectez ceux qui se lèvent tous les jours pour aller travailler, pour que la situation du Cameroun change. Respectez-les. Respectez ces femmes qui laissent les enfants à la maison, hein, qui trouvent des nounous. Certains qui viennent même aux manifestations avec les enfants. Respectez-les. Respectez ces Amazones, c'est des femmes responsables. Oui, respectez-les. Il faut arrêter les conneries. Parce que dès maintenant, je le dis encore, je le dis à la basse, je vous le dis encore. Il faut que vous arrêtez avec vos histoires à la con. Parce que vous allez nous trouver sur votre chemin. Au lieu qu'on se batte contre bien, on va se battre contre vous. Il faut d'abord qu'on vous extermine afin d'arriver à Yaoundé. Nous allons le faire. Les Camerounais sont prêts à le faire. Alors mettez-vous en ordre de marche et comprenez qu'on en a marre. Aujourd'hui, on veut des hommes courageux. On veut des hommes qui sont prêts à l'action. On veut des gens comme Patrick Gagnant, comme Patrice Mouna, Nouma. On veut des gens comme le commandant Kemta. Vous ne l'avez jamais entendu. Il n'a fait aucune polémique avec personne. Comme le général Wanto. C'est des gens comme ça qu'on veut. Des gens qui sont courageux. On n'a pas besoin de gens qui cherchent le titre. On n'a pas besoin de gens qui vont rester devant la télé ou devant les ordinateurs, je ne sais pas quoi, pour dire que je suis le général des généraux. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit. C'est un coup de gueule aujourd'hui. J'ai décidé de le faire parce que j'en ai marre. Et comme des milliers de Camerounais, comme des Camerounais de la diaspora, qui ne comprennent plus rien, qui m'appellent, ça fait 3 semaines. On attend pas le Stella à Nango, mais on n'en a rien à foutre. On en a, c'est des combattants, c'est tout. C'est des combattants, terminé. C'est des combattants, c'est terminé, c'est tout. On est dans le même chemin, on est dans le même combat. Alors, quels qu'en soient vos égaux, mettez-le de côté et travaillons tous ensemble pour libérer notre pays. C'est ça une révolution. Même quand on demande aux partis politiques de s'unir pour une élection, on sait qu'ils ne s'entendent pas, c'est des ennemis. Mais ils essaient de faire l'effort pour s'unir parce qu'ils sont là pour une même cause, pour un même but. C'est la même chose même dans les associations, les réunions que nous faisons tous les week-ends. Qu'on demande même dans les associations de village, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur les points. Mais on essaye d'être ensemble quand il y a un objectif commun. Chacun ne reste pas de son côté pour essayer de fusiller l'autre. Mais quand tu fusilles l'autre, tu gagnes quoi? Tu as fait ton direct hier, monsieur Elchenou. Tu as parlé de la base, parlé de tout le monde, insulté tout le monde et tout. Tu as gagné quoi? Ce matin, tu es levé, tu as gagné quoi? Tu es devenu le généraux des généraux des généraux. Tu as gagné quoi? Mais entre-temps, tu as mis le doute dans la tête des Camerounais qui sont debout pour cette résistance, qui sont debout pour son combat. C'est la même chose que j'avais dit, même pour Anango. C'est la même chose. Quand vous divisez les gens, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Vous ne gagnez rien du tout, sauf si quelqu'un vous a payé. Mais nous, je dis bien nous, combattants dignes, nous, les jeunes Camerounais qui avons des couilles, nous qui nous sommes mis debout, même avant l'élection, et pour ceux qui ont rejoint pendant et après l'élection, alors ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas. Ne croyez pas que quand vous allez vous mettre en retrait, Bia va vous enlever sur la liste rouge. C'est faux. Bia ne va pas vous enlever nulle part. La fin est proche. Votre libération est proche. La libération du peuple camerounais est proche. Alors c'est à nous à accentuer, à accélérer les marches, à accélérer les manifestations, à accélérer les actions pour que ce gouvernement tombe. Et une fois quand ce gouvernement sera tombé, les Camerounais au Cameroun, en étant libres, nous-mêmes à la diaspora, nous serons libres. Nous serons libres. Nous serons libres. Moi, nous tous, nous aimons le Cameroun. Mais si nous avons pris ce sacrifice, que certaines personnes ne pensent pas que ce sacrifice est à cause d'eux. Ce n'est pas à cause de toi, Elchenou. Ce n'est pas à cause de toi, Anango. J'étais dans le combat même bien avant vous. Nous étions à l'ambassade. Nous avons vu les calibris. Ils n'étaient même pas nombreux. Chanter depuis le 7 octobre devant l'ambassade. Ils étaient en train de chanter tous les jours. Les gens se moquaient d'eux. J'ai demandé aux gens qu'on les accompagne. Je ne les connaissais même pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas calibris. On peut communiquer comme ça, mais on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. On se voit dans la méditation, mais on se salue. Moi, je n'ai pas le temps de me présenter à lui pour dire que je suis tel, parce que je m'en fous. Ça ne me dit rien du tout. Il peut vous le dire. Demandez à Calibri si on a déjà causé et que j'ai dit que c'est moi qu'on dit. Non, non, jamais, je ne l'ai jamais dit ça. Je ne sais pas s'il me reconnaît même. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo, le 22 octobre, j'étais le premier que la police avait gazé. J'étais couché par terre, j'avais bu le gaz lacrymogène bien avant Calibri. J'étais le premier qui avait décidé qu'on va entrer à l'ambassade. Mais je ne cherche pas à être, je ne cherche pas à avoir la notoriété. Ça, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que l'objectif de ce que nous avons voulu faire ce jour-là, nous l'avons atteint. Oui, nous l'avions atteint ce jour. L'objectif n'était pas de rester dans le parking face à l'ambassade et de chanter là-bas. Comme ceux qui étaient là quand je suis arrivé vers 11h m'ont dit. J'ai dit non.
On ne peut pas rester ici chanter. J'ai acheté des drapeaux de ma propre poche où je suis venu distribuer. Personne ne me connaissait. En distribuant à quelqu'un, je n'ai pas dit que je suis telle personne. Je lui donne parce que c'est un Camerounais. C'est un combattant qui a laissé sa journée, qui a pris sa journée, qui est venu avec ses enfants pour qu'on puisse se manifester pour le non-hold-up électoral. Alors c'est pour cela que chacun est venu. Il y a des gens qui ont acheté des boissons pour distribuer aux gens. Et j'ai dit qu'il faut qu'on entre à l'ambassade. C'est comme ça qu'on a fait à 14h, comme avait dit Max et Calibri, qu'on attend 14h que les gens soient nombreux pour qu'on puisse entrer à l'ambassade. J'ai dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas continuer à rester dans un parquet en train de chanter. Si les Ivoiriens sont entrés dans leur propre ambassade, ce n'est pas les Camerounais que ça doit dépasser. Aujourd'hui, comme on dit qu'on a fait l'assaut de l'ambassade le 26 janvier, qu'on a mal fait, on a mal fait quoi? L'ambassade, là, le bâtiment, les papiers, ça dépasse les morts. Ça dépasse les morts de Bamenda. Ça dépasse les morts, ça dépasse la balle qu'on a tirée dans le pied de Madame Doki et de Njamel, de Célestin Njamel. Ça dépasse les presque 2 mois de prison qui sont là dans une misère totale. Les papiers, là, ça dépasse ça. Nous allons même bloquer encore l'ambassade là. On va le bloquer. Moi, je vais le bloquer. Je vous le dis. J'étais devant l'ambassade. Vous m'avez vu en direct. Je suis parti inspecter les lieux. Et je vais le bloquer. Mais je vais le bloquer si c'est ça qui venait. Et vous n'allez rien me faire. Vous n'allez rien me faire du tout. Je vais le bloquer. Parce que ça ne dépasse pas les morts qui sont au Cameroun. Ça ne dépasse pas les morts du nord-ouest et du sud-ouest. Ça ne dépasse pas les prisonniers politiques qui sont arrêtés aujourd'hui au Cameroun depuis. Ça ne dépasse pas l'interdiction de sortie du territoire qu'ils ont sorti hier lundi sur 2 cadres du MRC. Monsieur Bibounissa et Maître Sims. Mais il faut un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Même s'il faut qu'on brûle tout le Cameroun, on va brûler tout le Cameroun pour que les choses changent. Et ça doit changer. Ça doit changer. Nous n'avons même pas le choix. On ne pose pas de questions. Quand vous quittez, quand vous engagez dans une révolution, M. Chenou, je le dis encore, on s'engage de manière personnelle. On s'engage de manière personnelle dans une résistance. On s'engage de manière personnelle. Alors, c'est l'ensemble des gens qui sont engagés de manière personnelle qui forment un groupe. C'est pour ça que nous essayons de sensibiliser les Camerounais pour qu'ils prennent enfin leur destin en main. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Nous allons être ensemble. Nous allons former un bloc. Et nous allons, aucun homme, je le dis toujours dans mes publications, si vous suivez, aucune armée, comprenez bien, aucune armée, aucun homme, aucun système ne peut se mettre continuellement devant un peuple déterminé, un peuple debout pour défendre sa liberté, pour défendre son existence et pour défendre son droit au bonheur. Et le Cameroun, les Camerounais sont dans cette situation. Donc, Atang Gandhi, Paul Biya, Ngongo, vous ne pouvez pas vous mettre éternellement devant moi et devant nous pour m'empêcher ou nous empêcher de défendre nos droits à l'existence. L'existence du jeune Camerounais, l'existence de la patrie du Cameroun, c'est l'enjeu aujourd'hui. C'est l'enjeu. Ils ne peuvent pas continuer à se mettre devant nous pour nous empêcher de défendre nos droits, de défendre notre liberté, de défendre notre existence. Ça veut dire que juste le fait même d'exister, de vivre, de manger, de respirer. Mais ils ne peuvent pas nous empêcher. Vous pouvez nous empêcher, vous pouvez nous arrêter, mettre en prison. Ça ne changera rien. Car comme je vous le dis, arrêtez même encore Maître Sims, vous le mettez en prison avec Bibounissa. Ça n'arrêtera pas le train du changement. Ça n'arrêtera pas le train du changement. Vous faites les mêmes erreurs que vous avez fait hier. Mais pourtant, hier n'est pas aujourd'hui. Hier n'est pas aujourd'hui. Entourez-vous des bons experts. Ils vont vous dire de libérer le pouvoir. Ils vont vous dire, parce que jusqu'au fin fond du Cameroun, jusqu'au fin fond du Cameroun, les Camerounais souffrent et les Camerounais nous entendent. La voix des jeunes résistants, des jeunes combattants, c'est Dieu qui le transporte jusqu'à dans l'oreille des Camerounais à l'hôpital. C'est Dieu qui le fait. Bloquer même Internet, ils vont comprendre que l'heure de la lumière qui doit éclairer sur le Cameroun a sonné. Cela a sonné et vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Même la France ne peut pas l'empêcher. Car nous sommes debout. Nous sommes en France. Nous parlons en France. Qu'ils viennent m'arrêter. Oui, qu'ils viennent m'arrêter. Je vais continuer à me battre pour libérer le Cameroun. Je vais continuer à me battre. Je ne m'arrêterai pas. Et je dis aussi à mes amis, à mes frères, vous qui me suivez, faites la même chose. Parlez autour de vous. Expliquez aux gens qui sont avec vous que le train du changement est en marche. Que ces RDPistes-là, que ces biaïstes ne vous trompent pas, qu'ils ne vous fassent pas peur, qu'ils ne vous disent pas qu'amenez vos enfants. Vous n'avez pas besoin de traîner les enfants pour aller une marche. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de traîner les enfants pour aller une marche. Cela, c'est. Vous n'avez pas besoin. Vous vous battez pour vos enfants. Si vous mourrez, vous mourrez pour vos enfants. D'autant plus que vous êtes même déjà morts
Et quand vous êtes mort, quand il n'y a pas de changement, vos enfants continuent à souffrir. Vous êtes déjà mort. Tous ces jeunes aujourd'hui qui sont dans la révolution, la majorité ont déjà perdu leurs parents. Quand vous dites que l'espérance de vie au Cameroun est de 53 ans pour les hommes et de 57 ans pour les femmes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les experts qui le disent. Ça veut dire que quand vous atteignez déjà 53 ans, vous êtes un homme, vous êtes près de la tombe, si vous avez eu la chance même d'atteindre cet âge-là. On parlait de la majorité des hommes, pas des sardinaires qui détournent de l'argent et qui peuvent venir ici en Europe se soigner. Eux, ils ont les moyens de venir se soigner en Europe. Mais vous, le reste du Cameroun, qu'est-ce que vous faites? Vous avez quoi? Mais vous mourrez comme des petits poules. Alors mourrez au moins comme des hommes. Mourrez comme des boys. Mourrez comme des... Vous êtes des boys. Mourrez comme des boys. Alors, jeunes femmes camerounaises, jeunes mamans prématurées camerounaises, tous les jeunes filles qui ont eu les enfants à l'âge de 16 ans, c'est à vous que je m'adresse. Les handicapés du Cameroun, les Bayam Salam du Cameroun, la population, la majorité silencieuse du Cameroun, c'est à vous que je m'adresse. Les souffreteux du Cameroun, c'est vous qui allez vous lever. N'attendez pas que le ministre se lève. N'attendez pas que le commissaire se lève. Le commissaire même, ces ministres-là même, nous appellent et nous demandent de ne pas arrêter ce que nous faisons. De continuer à mobiliser les Camerounais comme nous le faisons. Parce que c'est en train de porter ses fruits. Alors, mes chers frères, il est temps le 30 mars. Pour ceux qui sont à Paris, j'ai appris, vous allez voir peut-être plus tard, que la marche commence, c'est à la porte de Clignancourt. Le 30 mars, samedi qui arrive demain, comme on dit chez nous. Donc, soyez tous à la porte de Clignancourt. Montrons à ces blancs français que nous, peuple camerounais, nous sommes debout. Ne laissons pas les Algériens être au-dessus de nous par rapport au nombre. Nous devons être plus nombreux que les Algériens. Et nous allons le faire tous les samedis s'il le faut. Nous allons montrer aujourd'hui, les médias français parlent des marches algériennes. C'est à cause du nombre, parce qu'ils sont nombreux plus que nous. Soyons nombreux, sortez de tous les coins de France. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'extrême nord français. Sortez tout dans toutes les régions. Venez à Paris le samedi 30, même si vous n'avez pas où dormir. Appelez-nous, nous allons trouver comment on va faire pour vous héberger si vous arrivez le vendredi, pour qu'à la marche de samedi, que nous soyons nombreux. C'est la marche du siècle pour la relance de la révolution. C'est la marche pour accompagner la décision que les Américains ont prise. C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun qu'un pays étranger prenne une décision pour bloquer les avoirs des dirigeants du Cameroun. Pour bloquer les visas d'entrée dans le territoire aux différents membres du responsable du gouvernement du Cameroun. C'est la première fois. Accompagnons cette résistance. Accompagnons cette décision. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Et nous allons le faire. Et c'est tous ensemble que nous allons le faire. Alors, mes chers amis, je vous dis encore une fois de plus. Samedi, oui, samedi, on vous attend samedi à la porte de Clignancourt. Samedi, suivez les messages de la basse, suivez les messages de Brassard, suivez les messages de El Chenou, si ça concerne la révolution, suivez les messages de Serge Anango, si ça concerne la révolution, vous n'êtes pas obligé d'aimer sa personne. Mais s'il est un combattant et qu'il a décidé de rester sur le chemin du combat, suivez-le. Suivez-le. Que ces résistants, ces combattants qui prennent la parole, respectez ceux qui sont avec vous. Respectez les femmes qui sont avec vous. Respectez les enfants qui sont derrière vous. Respectez les jeunes qui sont avec vous. Oui, arrêtez de parler de la vie des gens. Arrêtez. Car nous tous, que nous ayons des papiers, que nous n'ayons pas des papiers, nous sommes Camerounais. On n'a jamais demandé à quelqu'un son titre de séjour pour savoir s'il était Camerounais. C'est son passeport qui prouve qu'il est Camerounais. C'est son essai de naissance qui prouve qu'il est Camerounais. C'est son ADN qui prouve qu'il est Camerounais. C'est son sang qui prouve qu'il est Camerounais. Alors, mes chers amis, nous tous, nous sommes des Camerounais. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Et la souffrance du Cameroun nous interpelle tous. Tous les enfants de Oum Niobe, tous les enfants de Ernest Ouandié, que vous soyez Bassa, Boulou, Béti, Bamileke, cette révolution, c'est la vôtre. Que vous soyez du Nord, nos frères du Nord, je vous le dis encore. Ne croyez plus, arrêtez de croire au Lamido. Le Lamido fait partie du comité central du RDPC. C'est ces gens qui sont en train de vous tuer. Oui, Allah n'a jamais accepté à son enfant ou à celui à qui il a donné le pouvoir de tuer son enfant. Ces gens-là vous tuent. Ils ne vous aiment pas.
Comprenez-nous une fois pour toutes. Chers frères anglophones, nous n'allons pas passer toute notre vie à nous excuser du fait que le début de la guerre en 2016 au nord-ouest et au sud-ouest, nous ne vous avons pas accompagné. Nous n'allons pas passer toute la vie à le faire. À un certain moment, il faudrait que vous soyez conscients qu'aujourd'hui, on dit vaudrait mieux tard que jamais. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Rejoignez-nous pour qu'on puisse nous débarrasser de cette clique du RDPC et de M. Biya au pouvoir de manière pacifique. Que vos frères ne meurent plus, que vos enfants ne meurent plus, que les Camerounais ne meurent plus. C'est le but de la révolution. La révolution, c'est pour arrêter la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. C'est ça la révolution du Cameroun. La révolution, c'est parce que les Camerounais ont marre de voir leurs frères mourir tous les jours. Que ce soit leurs frères anglophones, que ce soit leurs frères francophones de l'armée, parce que même les militaires qui meurent, c'est nos frères. Nous ne pouvons pas nous réjouir quand nous voyons un militaire mourir. Non, nous ne pouvons pas nous réjouir. Car les militaires, l'armée, la police, ils ne répondent qu'aux ordres des politiques. C'est pour ça qu'eux aussi sont pris dans le même piège que nous. Quand je discute avec des commissaires, avec des gens de l'armée, ils me disent la même chose. Nous sommes pris dans le même piège que le peuple, par la milice de M. Biya. Donc, si vous vous soulevez, vous allez nous libérer, nous aussi. Vous allez nous libérer. Alors, mes chers amis, le message que je vous passe, le message que je passe à mes frères anglophones, le message que je passe à mes frères du Nord, vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères. À partir du moment où on a dit que nous sommes une même nation, nous l'avons accepté. Alors, nous sommes des frères. Alors, mes frères et sœurs, je vous le dis encore une fois de plus, nous vous tendons la main. Nous, combattants, nous, résistants, nous vous tendons la main. Prenez-la. Prenez notre main. Engagez-vous avec nous. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Nous ne vous trahirons pas. Nous ne vous trahirons pas. Soyez-en sûrs. Nous ne vous trahirons pas. Certains individus tenteront peut-être de vous trahir, mais cela n'arrêtera pas la résistance. Car il y a des résistants. Oui, il y a des résistants qui sont incorruptibles. Ils sont incorruptibles et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le moment venu, vous les verrez. Ils sont nombreux. Alors, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Nous sommes debout depuis le 22 octobre. Nous ne pouvons pas échouer là où les Algériens qui sont venus après nous sont en train de réussir. Nous ne pouvons pas. Nous avons échoué en 2008. Et les Tunisiens ont réussi là où nous avons commencé. Ils ont réussi. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Même si Biya a cru que ça sera comme ça, ça ne se passera pas comme ça. Il faut que ce soit le printemps camerounais. Le printemps camerounais doit sonner à partir du 30. Mettez-vous ça dans la tête. Le printemps camerounais, ça doit sonner à partir du 30 mars. Comme ils ont dit autrefois, le printemps arabe. Pourtant, c'est les Camerounais qui avaient commencé cette crise. Les Français ne nous ont pas accompagnés. Et ces mêmes Français, je vais vous rappeler, ces mêmes Français, pour ceux qui ont la mémoire courte, n'ont pas soutenu le peuple tunisien. Ils n'ont pas soutenu le peuple tunisien. Michel Alliot-Marie, à cette époque, étant ministre de la Défense, a même demandé à Ben Ali s'il voulait qu'elle envoie et que la militaire pour continuer à mater et à tuer le peuple tunisien afin d'anéantir la révolution tunisienne. Oui, pour ceux qui ont la mémoire courte. Donc, n'attendez pas que la France soit venue nous aider. Ils ne viendront pas nous aider. Mais c'est notre détermination qui va faire en sorte qu'on arrive au bout de ce que nous sommes levés pour cela. C'est notre détermination. Ce n'est pas la France. La France n'a pas aidé le peuple tunisien. C'est depuis ce temps que la France hésite de prendre position. Quand une crise démarre, ils ne veulent plus vivre ce qu'ils ont vécu, le génocide qu'ils ont vécu au Rwanda, parce qu'ils sont accusés pour ce génocide-là. Ils ne veulent plus. Et ils ont risqué, à moins demi, de tomber dans le même problème avec la Tunisie. Donc, depuis, la politique étrangère française a changé. Ils préfèrent attendre que le peuple s'élève. Et si le peuple s'élève, ils seront du côté du peuple. Mais quand le peuple ne s'élève pas, ils font semblant d'être du côté du dictateur. Mais ils ne le sont pas du tout. Ils essayent, ils attendent. Si tout devient calme, ils vont valider cette position et ils vont continuer comme avant. Mais si nous disons non, ils vont se mettre de notre côté parce qu'ils ont peur de vivre le génocide du Rwanda. Alors mes frères, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un intellectuel, mais je suis un Camerounais comme vous qui s'ouvre et qui essaie de se renseigner, qui essaie de voir plus loin que le bout de son nez, qui essaie de comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à réussir, pourquoi nous ne réussissons pas là où les autres réussissent, pourquoi nous ne réussissons pas.
Alors, c'est pour cela que je vous dis, levez-vous, faites-nous confiance. Faites-nous confiance, je vous le dis encore une fois de plus. Essayez, au moins pour une fois, dans votre vie. Essayez de faire confiance à vos frères camerounais. Essayez. Essayez de faire confiance aux gens qui ne font pas la politique. Parce que les gens vont me dire, on a fait confiance aux hommes politiques, ils nous ont déçus. Mais nous ne faisons pas la politique. Vous n'avez jamais fait confiance aux combattants, parce qu'il n'y a jamais eu de combattants au Cameroun. Mais aujourd'hui, les combattants sont debout. Faites-les confiance. Faites confiance aux combattants. Faites-les confiance. Vous verrez ce qu'ils vont faire. Si nous vous trahissons, laissez-nous. Tuez-nous-mêmes, si vous voulez. Faites de nous ce que vous voulez. Mais nous ne vous trahirons pas. Nous ne vous trahirons pas. Nous, peuple camerounais, combattants dignes et nobles du Cameroun. Nous, les jeunes Camerounais et jeunes filles camerounaises qui sont mis debout à la diaspora, que ce soit les Amazones, nous ne vous trahirons pas. C'est des gens que je côtoie, même sans les voir à distance. C'est des gens que j'ai vu les actions, j'ai vu les actes, j'ai vu les sacrifices. Je comprends que ces gens-là, ces femmes-là sont prêtes à mourir. Elles sont prêtes à mourir. Si Biya avait ouvert les aéroports, nous serons déjà au Cameroun. Nous ne serons pas seulement ici en Europe pour parler. Il y aura des milliers de Camerounais de la diaspora qui seront là. Donc nous allons vous accompagner. Nous allons vous accompagner. Alors accompagnez-nous. Accompagnez-nous pour qu'ensemble nous formions un bloc. Accompagnez-nous pour qu'ensemble nous réussissions à renverser, à chasser une fois pour toutes la dictature de M. Biya. Accompagnez-nous, mes chers frères. Accompagnez-nous, mes chers amis. Accompagnez-nous, mes chers femmes. Accompagnez-nous, mes chers pères, ceux qui ont encore la force. Accompagnez-nous. Vous voyez le peuple algérien. C'est toutes les générations qui sont dans la rue. Toutes les générations, ils sont dans la rue. Du plus petit au plus vieux, ils sont tous dans la rue parce qu'ils en ont marre. Pourtant, l'Algérie vit mieux que le Cameroun. Ils en ont marre de comprendre le même nom, la même famille, le même clan depuis plus de 20 ans. Ils en ont marre. Chez nous, ça fait 37 ans. Et certaines personnes nous disent d'attendre encore 7 ans. On n'a plus le temps à attendre. En 7 ans, beaucoup de gens entre nous seront morts. Morts sans voir le changement. Morts sans voir la suite du combat. Alors, battez-vous maintenant. Battez-vous maintenant pour pouvoir voir la suite du combat avant de mourir. Mourez pour une bonne cause. Mourez pour la cause d'une nation, d'une patrie, des enfants, de l'avenir. Ne mourez pas à cause du gaz. Ne mourez pas à cause du gaz. Les Blancs aujourd'hui font, ils disent que le climat change. Ne mourez pas à cause de ça. C'est eux-mêmes qui fabriquent des voitures qui viennent nous polluer. C'est eux qui fabriquent tout ça qui viennent nous polluer. Nous n'en avons pas besoin. Alors mourons pour une bonne cause. Mourons pour que tous les Camerounais puissent avoir la lumière, puissent avoir l'eau potable, puissent avoir des routes. Mourons pour relever, pour redonner une dignité aux Camerounais, aux jeunes Camerounais. Mourons pour cela. Alors, mes chers amis, je vous dis de passer un bon début de semaine. Nous allons nous revoir. Nous serons ensemble samedi à la porte de Clignancourt pour ceux qui sont à Paris. Et j'aimerais voir, j'aimerais que le Cameroun, les Camerounais du Cameroun se lèvent. J'aimerais voir les larmes dans les yeux des Camerounais pour dire enfin la liberté, la liberté, la liberté. Je veux voir les larmes de joie. Nous voulons voir les larmes de joie. Nous voulons voir la liberté. Quand vous avez vu, quand Kamto est arrivé à l'aéroport, vous avez vu les gens qui étaient derrière lui, et ça donnait chaud au cœur. On avait les larmes aux yeux de voir un peuple qui a soif du changement. On avait les larmes aux yeux de voir un peuple après 37 ans, de voir une jeunesse qui arrive encore à croire que l'avenir peut être différent de leur papa, de leur maman, de leur grand frère. Alors, mes chers amis, il est temps que nous nous levons, il est temps que nous arrêtons les querelles, il est temps que nous arrêtons les discussions qui n'ont pas de sens, il est temps que nous concentrons notre énergie, que nous fédérons toutes nos forces parce que ce combat, nous savons l'adversaire qui est en face de nous. C'est un adversaire féroce et nous avons besoin de tout le monde, de tous nos muscles, de toutes nos énergies, de tout ce qu'il faut pour vaincre ce monstre de Biya, de Chantal Biya et de Ferdinand Gongo. Vive le Cameroun, vive la République.